ça consiste en équiper votre maison, ou votre appartement, ou votre garage, d'éléments qui utilisent l'intelligence artificielle. Non, attendez, vous êtes sûr que cette offre ne vous intéresse pas? Je peux faire moins 20%. Allô? Allô? Oh, tu fais quoi aujourd'hui? 4 appels de retard par rapport à la moyenne. Hier c'était 5. Ta semaine est catastrophique. Alors tu arrêtes de rêvasser, tu te bouges un peu le cul, ou je te donne un gros coup de dent pour te dégager. Je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute, j'ai pas eu le choix en fait. Pas le choix? On a toujours le choix. Moi je t'en donne un. Prendre plus d'appels ou prendre la porte. À toi de voir. Tu viens? Le repas est prêt. Personne remarque que dalle. Parce que les banques sont trop occupées à rafler des commissions indécentes sur ces obligations. Attendez, vous êtes une banque. Vous bossez pour une banque. Je suppose que vos marges sont bien grasses. Ça a été ta journée? Comme d'hab. Moi, ça a été. C'est un petit peu la course aujourd'hui. On a eu pas mal de monde en réa, mais on se serre les coudes, alors ça passe bien. J'espère que ça ira mieux pour toi demain. Bonne nuit. Je t'aime. Moi aussi. Plein dans sa mouille. Bien joué, monsieur. Allez le chercher et donnez ça au chien, Fernand. Arrivé, monsieur. Il attend monsieur dans le salon privé de monsieur. Bien, Fernand. Viens, quoi nous déranger. Ah, ce cher Xavier, comment il va? Il m'apporte des bonnes nouvelles au moins, hein? Bonsoir, Bill. Eh bien, si on veut. Bah, parfait. Mais attends, avant de nous raconter tout ça, un bonhomme d'affaires ne parle jamais business sans exalter son palais. Et tu ne saurais refuser un single malt que j'ai fait importer d'Écosse.
Voilà qui est beaucoup mieux. Je t'écoute. Alors, bonne nouvelle pour commencer. Nos analystes prédisent une forte augmentation de nos bénéfices et la fusion avec le groupe Laferrière est pour beaucoup. Et surtout, le conseil scientifique des indices nous indique une entrée dans le CAC 40 d'ici la fin de l'année. Bah, c'est parfait. Ça sera l'occasion de s'acheter un yacht, hein. Et sinon, on en est où avec l'implantation de l'usine en Bulgarie? Eh bien, c'est plus compliqué. En soi, elle se passe bien, mais... T'es sûr que c'est une bonne idée? Tu sais, remplacer des ouvriers qualifiés ici par des gens moins formés là-bas. Arrête un peu, Xavier. On en a déjà discuté. Tu es un grand sentimental? Ok. Mais la délocalisation est ce qui arrivait de mieux à l'entreprise. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes au sommet. Donc mets de côté tes bons égards et profite de l'argent qui coule à flot. En plus, on a pas mal raqué avec les primes de licenciement, si on doit chialer à chaque fois qu'on vire un gars. 600. Quoi? On a viré 600 gars. Ah, on est d'accord, hein. Ça fait un sacré coup en primes de licenciement. Oh tiens, tu sais que j'ai chopé les actions de David Benson? Comment ça? Toutes ces actions? Et tu les as achetées combien? Zéro. Tu te souviens de ma villa en Sardaigne? Eh bien, je lui ai prêté pour les vacances. Sauf que le petit coquin n'est pas venu seul. Et c'était pas sa femme. J'ai tout sur mes caméras de surveillance. Et disons que quand il est rentré, nous avons une conversation. Soit il me laissait ses actions, soit je laissais la presse people s'emparer de ses photos avec sa maîtresse. Est-ce que c'est pas beau? Sacré bien. Bravo pour les actions en tout cas. Je suis désolé, je vais être en retard et ma femme m'attend. Bon allez, je te laisse rejoindre ton dragon. Et tu me tiens au courant surtout, hein. Merci. Allô? Mon amour? J'arrive dans une heure, promis. Non, Xavier, c'est trop tard. On en a parlé et aujourd'hui, c'était la dernière fois que tu faisais passer ton boulot avant nous. Ça sert à rien d'entrer ce soir. Mon amour. Bonne nuit, Xavier. Thank you.
Vous pouvez pas aller faire ça ailleurs? Oh pardon, je suis désolé, je vous avais pas vu. Non, tranquille, vous avez pas fait sur la tente, mais bon, ça risque d'attirer les animaux sauvages, quoi. Ah non, je suis désolé, mais... Attendez, ne me dites pas que... Louise? Xavier Arnaud du lycée! Qu'est-ce que tu fais là au milieu de nulle part? Bah, écoute, je pourrais te poser la même question, mais viens, si tu veux, on va discuter au chaud dans mon van. Mieux que ta tante? Bah avec plaisir, écoute, il a l'air tout mignon. Non, je te remercie. Par contre, si tu pouvais éviter de ressortir ton bordel, ça m'arrangerait. Promis. Allez. Après toi. Quitter une situation en or pour aller vivre sur les routes, ça va durer. Non, fais pas la modeste. Visiblement, c'est le chemin que t'as choisi aussi. C'est pas faux. Après le lycée, j'ai voulu essayer une école d'infirmière. J'ai pété un cap dès la deuxième année. Entre le stress et les conditions de travail, l'hypocrisie des profs. Et puis un jour, je me suis réveillée. Et contrairement à tous les autres jours, j'avais pas cette boule au ventre. J'avais pas cette chape de béton qui me pesait sur le torse. J'avais pas non plus la tête embrumée d'idées noires. Ce matin-là, j'avais les idées claires et je savais ce qu'il fallait que je fasse. Alors j'ai pris mon sac à dos. Je l'ai rempli de tout un tas de choses qui pourraient me servir. Et je suis allée acheter une tente au magasin d'à côté. Et pouf. Je suis partie. Contrairement à toi, là j'avais pas un avenir ensoleillé tout tracé. Hein. Non. Pas de compagnon. Pas d'envie. C'était la seule chose qui me semblait être cohérente à l'époque. La seule qui pouvait me libérer. Mais. Si c'était si libérateur, pourquoi il y a autant de mélancolie dans ta voix en parlant du passé ? Parce que la liberté a un coût. Les premières années, c'était le rêve. Je me baladais où je voulais. J'ai voyagé dans toute l'Europe. Parfois, j'encontrais des gens avec qui je faisais un bout de route, avant que nos chemins se séparent. J'ai vécu 4 mois avec des Roms en Bulgarie, 2 mois avec des petits jeunes en vacances sur la Côte d'Azur et 3 semaines avec un petit couple de petits vieux en Sicile. Les relations étaient fugaces mais intenses. Découverte de mon quotidien et exploration de seconde peau. Et puis la solitude s'est installée. Ce qui me semblait être une ode à la liberté s'est transformé en entrave. Fait mériter des liens que je nouais, qui auparavant étaient le sel de ma vie, s'est transformé en routine fade. Je me sens plus libre, mais obligée de coller à ce mode de vie auquel je me suis astreint. Mais je comprends pas. Pourquoi tu retournes pas à ta vie d'avant? Si t'as fait le chemin dans un sens, alors pourquoi pas dans l'autre? Demande à Orphée et Eurydice s'il est si simple de revenir des enfers une fois qu'on y a posé pied. Demande-toi comment on appellerait une personne comme moi. Clocharde. Sans abri, femme du voyage. Pas sûr que ces termes soient vus si positivement dans notre société. Et je suis pas sûre qu'elle ait gardé une place pour moi toutes ces années. Je vois. J'espère garder la fougue des premiers temps le plus longtemps possible, alors. Mais, quoi qu'il en soit, tu auras toujours ta place ici. Même si c'est éphémère et fugace. C'est gentil. Mais tu sais, avec une bonne nuit de sommeil et la sobriété retrouvée, j'aurai de nouveau la force qui me caractérise. Bon, bah au lit, alors. Tu veux dormir ici? Ce sera beaucoup plus confortable que ta tente. Pourquoi pas?
Mais plus jamais tu dis du mal de ma tante, elle m'a sauvé les miches plus d'une fois. Allez, tiens. Ouais. Ah bah t'as fini. Bah non, j'ai fini. Ouais, mais quand même, ta tante était quand même un peu dégueulasse. C'est parce que t'as pas dormi dedans. Ouais, bah justement. Je préférais éviter. Reste dans ta caravane. Ça me va.